Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle série sur un nouveau mode pack. Le mode pack Infinity. Alors, le mode pack Infinity est tellement gros, il y a 160 modes, que je n'arrive pas à lancer une partie solo sur mon PC. Tout va bien, c'est très très chouette. Donc, je me suis confectionné rapidos un petit serveur sur une des machines de la Farmcraft. Alors, on va faire quand même un time 7-0 pour repartir en bonne et due forme. Et vous voyez que je suis tout nu parce que oui, bien sûr, ce super mode pack est en 1.7 et que le mode pack 1.7 ben, sont pas extrêmement compatibles avec les skins 1.8. C'est un peu compliqué, mais en gros, un jour peut-être que j'aurai un skin, mais là tout de suite, j'ai pas envie de le faire. Vous avez vu qu'il y a certains modes. Alors, qu'est-ce que comporte ce mode pack? Il comporte plein de petits modes bien sympas. Moi, je me suis mis un petit objectif perso qui était d'essayer de partir vers quelque chose de neuf. C'est-à-dire le... Un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire me construire un réacteur nucléaire. Donc, objectif réacteur nucléaire. Clairement, purement et simplement. Il y a plein de petits modes tels que Miscraft ou Twilight Forest qui vont un peu changer de ce que je fais d'habitude. Vous avez vu que je suis super canon en slip. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on va nommer cette série d'une façon un peu particulière. Les plus anciens connaîtront la série Tad's Dream. Et donc voici la deuxième version, la saison 2 de Tad's Dream. J'espère que les anciens seront contents de l'arrivée de celle-ci. Ça fait très longtemps qu'on me la demande. En tout cas au sein de la Farmcraft, parce qu'en fait, on va être franc, au début, il n'y avait que la Farmcraft qui me suivait mes vidéos. Et puis la Farmcraft est devenue grande, on va dire ça comme ça. Ce qui me permet bah, de faire une deuxième saison. Ça me bottait bien de me dire, tiens, allez hop, c'est parti, soyons fous, faisons-nous une deuxième saison de Tales of Dream pour voir un peu ce qu'on a dans le caleçon. Bah oui, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis surtout essayer de repartir. Je pense qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que il y a des modes qui existaient déjà, du style Miscraft, qui est en fait un mode que j'ai presque plus utilisé dans mes différentes séries, mais qui existait à l'époque lors de la création de tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre quand même. Un waypoint, close, waypoint, new, spawn. Tout simplement pour savoir où est-ce qu'on a spawné. Et puis on va partir un peu à l'aventure compagnon. Hop. Faire un bout d'explo. Alors vous avez vu qu'il y a plein d'arbres machin. On va pas les prendre tout de suite. Ça n'a pas l'intérêt de prendre ces arbres-là tout de suite. Ça par contre, c'est un intérêt notoire. Pour la suite de la série, on va appeler ça comme ça. Oups. Ah, je suis content parce que ça a l'air de tourner assez stablement. Je suis à une quarantaine d'FPS. Je sais pas du tout, mais ce mode pack doit être vraiment très, très lourd pour ne pas tourner sur mon PC. J'étais étonné, je vous ai tourné un début de série et puis ça tournait pas quoi, tout simplement. Ça tournait pas et c'était un peu embêtant. On va dire ça comme ça. Voilà. On va voir si les moutons peuvent faire de la nourriture. Ce serait pratique. Est-ce que par hasard tu fais de la bouffe? C'est bien, tu fais de la bouffe aussi. Hop. Ils font de la laine et de la bouffe. La vie est belle. Hop. Parce que ce sera utile. C'est parfait. On a des chapiots aussi. J'espère que réellement ça vous plaît de me revoir sur une nouvelle série. J'ai quelques explications à vous faire, tiens d'ailleurs, du pourquoi, comment, pourquoi il n'y avait plus de vidéos, tout ça. Donc, vous le savez, je travaillais. J'utilise le passé parce que mon contrat est échu. Alors pas que ça s'est mal passé à l'endroit où je travaillais, tout simplement.
que l'entreprise, enfin comment dire, l'entreprise m'avait engagé pour un truc et puis, ce truc est fait. En gros, je vous caricature l'idée, mais le principe, il est là. Après, j'ai pas, je l'ai toujours dit, et je ne souhaite pas re-rentrer dans, enfin, je ne souhaite pas rentrer dans les affaires privées que sont ma vie privée, hein, vous le savez. C'est entre autres pour ça que je ne me montre pas. Mais comme ça, vous êtes au courant que pour le moment, ben, je ne travaille pas. Je recherche du boulot, hein, soyons clairs et nets. Je l'ai également toujours dit. L'objectif est de travailler. Parce qu'il faut gagner sa vie et parce que mon boulot, c'est mon boulot, que j'ai fait des études pour m'en servir. Et oui, mais oui, ça a toute une utilité de faire ça. Et puis, enfin, pour ceux qui ne le croiraient pas, sachez-le, YouTube, ça paye pas. En tout cas, moi, ça me paye pas. Les dons ne payent encore moins. Ça, c'est un autre problème. C'est aussi un choix personnel de ne pas les mettre en avant, nécessairement. Mais bon, voilà. Je suis également sur Twitch pour le moment. Tiens, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas suivi, bordel. Twitch.slash/tado87. On va résumer en disant que la chaîne de la Team Click a très très bien marché, tellement bien que certaines offres ont été faites, certaines propositions ont été faites pour ouvrir d'autres nouvelles choses, que vous verrez sans doute très bientôt. Et je vais m'arrêter là-dessus pour pas vous spoiler des choses. Ou autre, ou des choses que je ne pourrais pas dire, mais moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitch ces temps-ci. Il faut pas hésiter à venir, c'est un plaisir. Alors, je fais des lives un peu surtout, surtout ces temps-ci. Vous allez me dire, pour le moment, je fais du Dofus, du Minecraft sur la chaîne Vanilla. Vous aurez probablement pas de live directement sur cette série, ou alors peut-être du week-end pour du minage parce que. Parce qu'il faudra bien faire du minage et que donc voilà. Mais voilà. En gros, je vous ai résumé la plupart des choses importantes à savoir sur tout ça. Petite dernière chose, tiens, tant qu'on y est. N'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît. Alors pour ça, il y a un système très simple. Ça s'appelle les j'aime. Donc vous prenez votre petit bouton, vous cliquez sur le bouton j'aime, ou vous mettez un commentaire en me disant trop cool une série avec toi, ou trop chiant c'est une série comme toutes les autres et tu nous casses les couilles à toujours faire la même chose connard. Hein, enfin vous êtes peut-être pas obligé d'utiliser le terme connard, c'est pas très très poli, c'est pas gentil en fait de me dire ça à moi, tout ça, non plus courtoisement, non plus quoi, plus quoi. Bah voilà, ça se dit pas quoi. Plus sérieusement, voilà. Trouve tes mots, Tado, vas-y, tu peux le faire. Et puis voilà. Et puis voilà. Le lien, tiens, le lien de la chaîne Twitch sera dans la description. Donc vous hésitez pas, vous likez, et comme ça vous recevez un petit mail en cas de truc. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter. C'est vrai que de temps en temps je fais des choses et je vous le dis pas, mais tout est sur Twitter. Donc Tado87 sur Twitter. Ça fait déjà pas mal d'infos, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je résume bien les infos. Vous en avez beaucoup pour votre grade. C'est important. Voilà, on a quand même bouffé les deux. J'ai fait des rots, je sais pas si vous avez entendu. C'est pas poli non plus. C'est pas bien, je trouve. Hops. Alors, ce qui serait bien là actuellement, c'est de trouver de la clé. Parce que, comme vous le savez, bah, la base de la base. La plupart du temps, c'est de partir sur du tinker. Et pour partir sur du tinker, il nous faut de la clé. Tout simplement. Voilà. Alors, il y a une question que je me posais également, c'est est-ce que je fais des trucs en off? Ou est-ce que je vous montre tout, 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 tout? Donc, comme d'hab, on va résoudre le problème assez simplement. Vous cliquez sur commentaire, vous répondez à la question du monsieur.
Est-ce que vous souhaitez voir tout, 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 tout? Et alors, ben, la série va prendre un peu plus de temps. Il y aura peut-être plus d'épisodes. Après, on peut facilement compter sur un épisode par jour au début, hein, en moyenne. Peut-être pas là directement, parce qu'il va falloir un peu de temps que je me relance dans le processus, mais y a des chances pour qu'on puisse partir sur du épisode par jour. Mais pour ça, ben, il faut me le dire. Hop, hein, il n'y a plus d'appel. J'ai perdu ma appel. Ma appel, elle est cassée. Le plus dur, c'est toujours de trouver l'endroit où s'installer. Ou du moins s'installer au début. Alors, l'idée, c'est d'essayer de pas trouver un endroit trop trop loin non plus. Et l'idée, c'est de survivre également, mon cher Tado. Donc, pour ce faire, petit truc et astuce. Bye, Tado. Ups. Un lit. One bed. Ups. Dodo. Et puis voilà. Alors logiquement, je serai tout seul. Donc je sais pas parce que je suis sur un serveur que je prends du monde avec moi. Logiquement, je serai tout seul. Après, il y aura peut-être un jour les invités, qui sait, pour venir faire ceci et cela avec moi. Mais la base de cette série est prévue tout seul. Ça me fait du bien aussi d'être un peu seul et de pouvoir faire des choses seul. Tiens, j'ai pas regardé. Est-ce que, par hasard, on a notre cher Galactic Craft? On dirait pas. Dommage. Gravitation suite, industrie génétique. Et non, il n'y a pas Galactic Craft. C'est bien aussi. Alors, vous avez l'impression que j'ai choisi le mot de pack à l'arrache? Pas du tout. Ce n'est qu'une impression. Donc j'ai choisi. Je réfléchissais beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci, savoir si je faisais ça ou si je faisais ça. Je savais pas trop. J'hésitais. Tout ça, tout ça. Et puis en fait, j'ai résolu le problème en me disant oui, tu pourrais faire plein de séries. Alors il y a bien sûr Agrarian Sky qui risque d'arriver un jour. Hein, vous fâchez pas avec je sais pas qui, mais il y a la série qui risque d'arriver un jour pour ceux qui l'ont vue. Je l'ai testée. Je l'ai testé sur Twitch. Oh, c'était sympa. Ça fait une petite soirée là, tranquille. Avec Mousse pour le tester. On a un serveur qui tourne dessus. Je le retesterai peut-être encore. J'ai un projet de série multi avec quelqu'un. Donc je vous dirai pas qui. Et ce n'est pas notre ami Yena. Comme ça. Casser directement les processus. Vous pouvez directement chercher avec du monde. Et logiquement, on sera la série avec cette personne-là. Oh, donc vous verrez bien à ce niveau-là. Et puis il y avait d'autres mots de pack. Alors il y a plein de mots de pack. Hein. J'ai hésité également à vous faire une série de découvertes de mots de pack en tout genre. Si ça vous plaît, si ça vous plairait, tiens, n'hésitez pas à le dire. Il y a plein de mots de pack modés, rapidos, que vous pouvez faire, qui sont tout mignons, tout jolis. Alors il y en a des tout mignons, tout jolis. Il y en a des vraiment chiants. Pour info, le mot de pack qu'on a là, c'est le mot de pack Infinity que vous pouvez retrouver sur Curse. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Si je ne l'avais pas dit, je ne sais pas trop ce que j'ai dit parce que je l'ai tourné deux fois cette séquence. Donc, la première fois, j'étais sur ma map solo et ça marchait pas. Enfin, si ça marchait avec 10 FPS et 10 FPS. Ce qui était un peu problématique. Alors, je suis au spawn. Trop cool. J'ai juste pris pour avoir le casque. Je suis au spawn et le spawn est moche. Le spawn est moche. Toc. Essayer de voir si par là, par hasard. Hop. Il y a du charbon là. Hop. On va aller voir si par là, par hasard. Il n'y aurait pas un peu de. Une plus belle vue. Hop. Il y a des trucs Tomcraft là. Ça, c'est également un de mes projets, c'est d'arriver un jour à faire une vraie série sur Tomcraft. Enfin, pas une vraie série, à vraiment faire le mode un jour. Et pas juste regarder si c'est beau, si c'est mignon. Mais c'est pas gagné.
Ah bah vous savez quoi, à mon avis, on va finir là-bas. On va finir là-bas. Donc vous avez vu comment on choisit une base. Alors en fait, non, pas vraiment, parce que ça va être vraiment une base temporaire. Donc j'avais dit, hein, la prochaine saison que je fais, série que je fais, je me casse pas la tête, je fais pas vraiment une base. Je fais un trou et puis voilà. On verra bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire. L'avantage ici, c'est que je vais avoir un peu de temps pour le faire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va me dire, oh, on a fini le mode pack, on change. Pas que c'est une mentalité dans les trucs, mais j'ai un peu été déçu de FTT qui s'est fini un peu trop tôt, à mon goût. Après, c'est entièrement ma faute aussi. Je me suis retrouvé un peu seul dessus et j'avais pas. Ouh là. Ouais. C'est une fausse bonne idée en fait, ça. Ça, c'est une fausse bonne idée. Notez qu'il y a quand même deux météorites. Mais ces trucs-là, c'est jamais super bon, quoique. Quoique. Il y a trois météorites. Ouais, en fait, ici, le terrain, il est consumé, là. Il est déchiré. Je trouvais que la petite île, là, était sympa, mais au final, pas vraiment, quoi, en fait. Oh, un village! Je l'ai vu sur la carte. Oh, il est balèze, le village! Ils ont l'air balèzes, les villages, ici. Hop. Hello? How are you? Oui? Ça pourrait être utile un jour. En fait, je m'apprêtais à me comporter comme sur un serveur où c'est le premier arrivé, premier servi, mais au final, en fait, je suis tout seul. Donc c'est bon, tranquille, pompelope. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, salut toi! Un garde. C'est canon! Allez, encore un garde. Hop! Je suis pas mort. Hop, on peut monter dans cette tour-ci et monter tout au-dessus peut-être? Oui! Ah, on peut pas monter tout au-dessus. Mais on peut avoir une vision. Il y a plein de gardes partout. C'est sympa ça. C'est sympa, je suis étonné un peu quand même parce que. C'est quoi ces gardes alors? C'est Armor. Non, Witchery. Witchery. Oh! Oh, la vie est belle. Ça, la vie est belle. Bon, donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en aurais pas besoin tout de suite. Donc, vous avez vu qu'il y a Agricraft pour ceux qui n'ont pas reconnu le machin. Par contre, ça. Je prends. Désolé, les amis. C'est un peu honteux. Mais dans la vie, il faut savoir se servir. Et c'est un peu mon habitude. Alors, ça fait 20 minutes qu'on tourne, logiquement. Oui, ça a l'air de ça. Ça saute. Oui, il est 30, c'est parfait. Donc, on va encore continuer un peu. Pour faire un épisode d'une trentaine de minutes. Ah, j'ai mis la musique, vous avez vu? Vous entendez? Suis en train de démonter votre truc, hein. Vous en faites pas. Si on fait un four, c'est bien les fours. C'est pour le bien de la société à venir. Mais je suis gentil, moi copain. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, je vais pouvoir te faire un de ces trucs. Directement pouvoir partir sur Big Four Power. Ce
qui sera évidemment très pratique. Ups. Fouillons. Non, en fait, il faut pas vraiment fuir, mais. Mais bon, voilà. Ups. Voilà. Oula, non. Ça là-bas. Ça n'a pas l'air complètement gentil en fait. Oups. Toujours le même problème, hein. Réussir à trouver un endroit où s'installer, c'est une galère. Une galère pas comme les autres, évidemment, mais une galère quand même. Oh. Regardez. Là. Ça me semble bien. Alors, pour deux raisons. Attends, d'abord, regardons un peu, on est où? Extreme Hill. Et on est. Est-ce qu'on est loin de la de l'eau là? Non. Non. Regardez. Hop, on va se taper dans la colline là. On verra pour aménager ça tout joli, tout mignon un jour. À croire que ça m'attendait ce machin. Alors hop. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est voir si on peut pas se faire un tout petit peu de torche. Du charbon, c'est bon. Donc, ce que nous allons faire, les amis, c'est qu'on va se laisser là. Hop, je vais juste faire une porte. Pouf. Hops. Moi, ben, je vais agrandir tout ça. Je vais sûrement aller faire un peu de minage. Histoire ben, d'avoir de quoi tenir le coup. Faire des coffres, tout ça, tout ça. Et puis, nous, on se retrouve très, très bientôt pour l'épisode 2 de cette saison 2 de. T'as deux dreams, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît cette saison. En tout cas, moi je m'amuse très bien. J'espère que ça va être sympa. Il y a, j'ai plein de projets en tête, plein d'idées. Et ça va me faire du bien de repartir un peu sur un truc tout seul dans mon coin. On va dire ça comme ça. Sans personne pour m'embêter, tout ça, tout ça. Allez, à très très bientôt. Salut, salut. Bye bye.